Bonjour les amis, aujourd'hui une petite recette rafraîchissante. On va faire une salade Waldorf. Il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de plus facile, il n'y a rien de meilleur parce que c'est vraiment rafraîchissant, c'est vraiment très très bon. À la base, il faut aimer le céleri, je l'avoue. Mais comme j'aime tout, moi, vous savez, rien ne me gêne. Donc pour réaliser la recette de la salade Waldorf, on a besoin d'une pomme et de céleri rave. Alors j'ai pris la pomme Granny Smith parce que j'aime bien son acidité. Vous voyez, je l'ai lavé, je ne l'ai pas pelé. J'ai pris un peu de céleri rave, du sel, du poivre, du jus de citron, de la mayonnaise. Et puis on mettra un peu de verdure à la fin. Ouais, vous allez voir, on va se régaler. Donc pour la démonstration, je vais en faire un tout petit peu, je ne vais pas tout faire. Je vais faire une demi-pomme. Donc demi-pomme, on vide. Là, je vais la tailler. On va faire des petits dés. Là, voilà, pour la pomme. Ensuite, on va faire céleri rave, on va faire pareil. Pareil, des petits dés. Là, oui, j'ai vu un peu petit, mais bon. Je vais mettre du jus de citron pour pas que ça s'oxyde. Bon, on va pas y arriver comme ça. Là, ça sera bon. Comme ça. Je vais salpoivrer. Là, et maintenant je vais détendre à la mayonnaise. On va y aller petit à petit. La mayonnaise qu'on a fait, bien sûr. Hein. Voilà, elle se détend un peu avec le citron. Là. Alors ce qui est bien, c'est avant de la déguster, on va laisser macérer une petite heure là, que tout prenne ensemble, tous les parfums se diffusent bien. Là, je vous disais il n'y a pas longtemps que je suis un amateur de coriandre. Donc on va mettre un peu de verdure, ça va être sympa.
Allez, un peu de verdure. Et là, quand même, je suis impatient, alors, je vais mettre un coup. J'adore ça. J'adore ça. Un petit plat de présentation. L'acidité de la pomme, là, c'est... Avec le céleri, c'est parfait. Voilà les amis, la salade Waldorf, ça c'est bien. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on voit avec cette excellente salade? Eh bien, on va avoir un excellent vin. Qu'avez-vous au Grand Moulin? Encore un vin de l'Ardèche. Alors ça c'est fabuleux. C'est un chardonnay, les amandiers. Mais ça je vous le recommande mais mille fois tellement que c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est bon? Oui, un chardonnay donc je vous dis l'Ardèche. C'est Bertrand, Flore et Ingrid qui vous le recommande vivement. Alors qu'avez-vous? Allez-y de ma part, surtout vous aurez des ristournes. Et pour se marier, donc ça sera parfait avec cette salade Waldorf. Là-dessus les amis, j'espère que cette recette d'une facilité extrême vous a plu. Et je vous dis au plaisir donc. Allez chat !